On va maintenant commencer un nouveau petit sujet qui est aussi extrêmement important dans le domaine de l'éducation. On en a un petit peu parlé à travers les exemples qu'on a cités, mais on n'a pas vraiment traité le sujet de façon particulière. C'est les conditionnements. Alors, bien qu'on a dit au début des cours que, y avait une nécessité de s'appuyer sur les Gdolim, sur les grandes Torah, sur Chazal, pour étudier la chorma de l'éducation, parce que l'éducation, on ne peut pas dire que c'est que de la chorma, c'est pas que de l'intelligence, c'est pas que des sciences exactes, et donc on ne peut pas compter sur les goïms pour cela. C'est quand même intéressant de voir que dans la chorma des goïms, le principe des conditionnements prend une place essentielle. Par exemple, pour Freud, la règle numéro un lors de la psychanalyse, quand il voulait aider un patient à sortir d'un problème, la règle numéro un était: on commence à parler de quelque chose, et si quand on est en train de parler de cette chose-là, du problème en question, ou même d'autre chose, parce que vous parlez de ce que vous avez envie, il y a d'un seul coup une autre chose qui vous vient à l'esprit, normalement, la raison, elle va freiner. Non, maintenant, je suis devant un psychologue, ouais, j'essaie de parler d'un problème, si d'un seul coup, alors que je suis en train de parler de ce problème, je pense à du chocolat, je ne vais pas parler de chocolat, ça n'a rien à voir, c'est complètement absurde. Freud disait à son patient, surtout pas. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Si ce n'est que de jamais freiner une idée qui vient alors que vous êtes en train de parler de quelque chose. C'est ce qu'on appelle les associations d'idées. Et comme ça, c'est complètement incroyable. La personne commence à parler de A, elle arrive à Z, et Z, pour finir, c'est la source du problème. A, c'était le pic du iceberg, et Z, c'était en fait le véritable problème. Qui, d'un point de vue rationnel, on voit vraiment pas le rapport. Il y a même des courants parmi les philosophes, les socialistes, qui pensent que toutes les actions des êtres humains, toutes les pensées des êtres humains, même leur opinion, en fait, dépendent de toutes les associations et les conditionnements qu'ils ont vécus depuis qu'ils sont petits jusqu'aujourd'hui. Alors, nous, bien entendu, on n'est pas d'accord avec ça, parce que ça supposerait qu'il n'y a pas de libre arbitre, et que donc, tout dépendrait en fait, toutes les actions de l'homme, toutes ses pensées dépendraient en fait de toutes les associations d'idées qu'il a vécues. Nous, on ne va pas accepter cela, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point les conditionnements, ils ont un impact puissant. On ne va pas aller jusqu'à dire, chas v'shalom, que ça prend le libre arbitre de l'homme, parce que dire ça, ce serait de l'hérésie. Ça remettrait complètement en question le principe de la punition et le principe de la récompense. Et c'est un des 13 principes de foi. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement, il y a un impact, une influence qui est extrêmement puissante dans les conditionnements. À l'époque du sabbat de Kelem, il y avait, comme vous le savez, des cirques. Aujourd'hui, ça a été un peu remplacé par le cinéma, par la télé. Et il y avait un spectacle qui faisait fureur. Ça s'appelait le spectacle des ours qui dansent. Alors, effectivement, c'était spectaculaire. Vous avez personne qui arrive, elle prend une flûte et elle joue un air, et vous avez des ours qui sont énormes, d'accord, qui se mettent à danser sur l'air qui est joué. Bon, c'était quelque chose qui impressionnait beaucoup les gens. Pour ceux qui ont voulu creuser et savoir comment ils arrivaient à faire cette chose-là, ils se sont aperçus que le processus était un processus extrêmement cruel. L'ours était pris dès qu'il était petit. Parce que quand il est petit, son absorption émotionnelle et affective est beaucoup plus forte, aussi chez les animaux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il le mettait sur des braises ardentes. Donc c'était très très chaud. Ouais. Et en même temps, au moment précis où il le mettait sur des braises ardentes, où donc comme c'était chaud, ben, il levait les pieds, il jouait ce morceau à la flûte. Ils ont fait ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Bon, c'est très très cruel. D'après la Torah, c'est évident qu'on n'a pas le droit de faire ça, c'est tsar balei chaim, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Maintenant, ce qui est ici intéressant, c'est de voir en fait l'association d'idées. L'ours, il a associé la flûte avec le mouvement. Et ce qui est frappant, c'est que avec les progrès de la technologie, on a pu, en plaçant des électrodes dans le cerveau de l'ours, détecter exactement qu'est-ce qu'il ressent. Parce que vous savez que les sentiments, ils ont aussi une correspondance dans le cerveau. Dans le cerveau, vous avez un endroit qui détermine la sensation de déplaisir, de plaisir, d'angoisse, etc., etc. On peut vraiment détecter, d'après l'activité cérébrale, qu'est-ce que l'animal y ressent. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont détecté que ces animaux en question, ces ours en question, au moment où ils entendent le morceau de la flûte,
et ils ressentent la même souffrance qu'au moment où ils étaient sur les braises. C'est tout à fait incroyable. Alors que d'un point de vue nerveux, physiologique, il ne se passe rien. Revenons à l'être humain. Je vous lis un témoignage frappant. Alors, encore une fois, le témoignage, c'est le témoignage d'un adolescent qui a beaucoup souffert. Et c'est vrai qu'on pourra, on pourra avoir tendance à se dire, oui, bon, lui, c'est un cas exceptionnel, il a beaucoup souffert, mais mon enfant, c'est quand même pas à ce point-là. N'oubliez pas, je pense qu'on l'a déjà dit au premier cours, sinon c'est pas grave, on va le répéter, que la technique du Rav est d'apprendre des enfants qui ont vraiment souffert, parce que chez ces enfants, il y a un avantage, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, ça explose. Ils sont déjà à fleur de peau. Chez les enfants pour lesquels on n'a pas fait trop d'erreurs, ou auxquels on a donné assez d'amour et d'affection pour noyer un peu toutes les erreurs et toutes les boulettes qu'on a fait, c'est bien d'un côté parce que ben, ça n'explose pas, mais c'est pas bien d'un côté parce que l'enfant, il encaisse, et nous, on croit que tout va bien. Donc, à chaque fois qu'on va prendre un exemple et que l'exemple vous semble extrême, comprenez que dans le principe, ça ne change rien pour nos enfants. Même si ça n'a pas donné un tel résultat. Regardez le témoignage de l'enfant. Ani lo echol lisloach, je ne peux pas pardonner. Ani lo echol lishkoach, je ne peux pas oublier. Ani lo echol lishkoach, et je ne peux pas oublier. Kizeh lo mashehu shekara lifnei shmoneh shanim. Parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui s'est passé il y a 8 ans. Écoutez bien. Zeh lo mashehu sheshayach la'avar, c'est pas quelque chose qui appartient au passé. Zeh mashehu shekore hayom, kol yom. C'est quelque chose qui se passe maintenant, tous les jours. C'est quelque chose qui fait déjà partie de moi. Ça m'accompagne tout le temps. Mais ça me rend la vie amère. Mais il y a esh ou medake, ça me décourage et ça me déprime. Je ne peux pas voir une gemara. On les compte. Imanirak poter et agmara. Miad ani margish, mamash margish. Et tzvitut chez la melamed a prati sheli. Si rien que j'ouvre une gemara et je vois une gemara, je ressens, vraiment je ressens. Pourquoi il dit vraiment je ressens? C'est ce qu'on a parlé. La sensation de souffrance, elle est là. C'est pas un souvenir. Je ressens les pics de mon enseignant, l'enseignant de gemara. Les pics, les tzvitot, les pincements de l'enseignant de Gemara. Je ne sais pas si on parle de pincement physique ou de pincement psychologique, mais vous savez, la violence verbale ne fait pas moins mal que la violence physique. Des fois, ça fait encore plus mal. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Et ta hashpala, les humiliations. Et ta mahnak, la sensation d'étranglement. Ani lo yodea imata mesugal lavin etze. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre cela. Aval, ani lo mitkaven le agid she ani Nizka bameche ou asali az. Je suis pas en train de dire que je me rappelle de ce qu'il m'a fait à l'époque. Et là, shani margish et mache ou oseli arshav. Mais je sens ce qu'il me fait maintenant. Quoi maintenant? Mais ça fait 8 ans cette histoire. Je le sens encore. Ça c'est des dégâts. Maintenant, dans cette histoire, quand on entend comme son histoire, on a tous ensemble. Ça veut dire, oh, qu'est-ce qu'il est monstrueux cet incident de Gemara. Non, il est pas monstrueux, Rabotai. Il faut bien comprendre une chose. Cet enseignant de Gemara, ça peut très bien être le cas du père dont on a cité, qu'on a cité dans l'histoire, dans le dernier cours, un père qui avait une bonne intention. Mais dans sa bonne intention de faire avancer son fils dans l'étude de la Gemara, il était sans arrêt en train de le critiquer, sans arrêt en train de le reprendre, sans arrêt en train de lui dire « Mais ça fait 3 fois qu'on explique ça, mais tu comprends pas, tu peux l'expliquer 4 fois et 10 fois. » Tant que l'enfant il est braqué, il comprendra pas. Et c'est un cercle vicieux. Donc on peut parler de quelqu'un qui a des bonnes intentions. Regardez les conséquences désastreuses. Mirtavze Melamed, c'est plus le jeune homme qui témoigne, mais c'est le Rav qui va donner maintenant une analyse de la chose. Shamudaout la ba'aya ve'atnaya ve'avana ena metaknim. La conscience, parce que l'adolescent en question, on lui a très bien expliqué, il n'est pas bête du tout, il est tout à fait conscient qu'il n'y a aucun rapport entre la Gemara et entre le Melamed, et entre l'éducateur qui lui a enseigné la Gemara. Mais la conscience n'aide en rien. Il n'arrive pas à se sortir de ce problème. Parce que le problème, il est affectif. Parce que le problème, il est émotionnel. Donc même si maintenant, avec son cerveau, je lui dis, mais ça n'a rien à voir, la Gemara. Ça ne marche pas. Et la metaknim, ça ne répare pas. Et ta nezek chez notre le dégât qui a été créé. Qui a nar, akotev, madgish et yodea etev. Car le jeune homme en question n'a pas tout lu,
En tout cas, il le dit de façon très claire. Chez Lo Alimud Atzmo, Yatsar et Asevel Ametoar, que ce n'est pas l'étude en elle-même qui a créé toute cette souffrance, et là, Melamed, l'enseignant. Et pourtant, il n'arrive pas à se sortir de ce problème. Alors, pour ceux qui voient le cours et qui pensent à une personne en particulier qui a effectivement ce problème, il ne faut pas se décourager, Chazé Shalom. Il y a une façon de faire. La façon de faire, on ne peut pas trop s'étendre là-dessus parce que là, on rentre déjà dans la thérapie, dans du tipoul. Ce ne sera pas de lui expliquer. Bon, lui expliquer, ça peut être une première étape, mais ce n'est pas ça qui va aider en quoi que ce soit. Il faudra prendre une étude de Torah qui n'est pas la Gemara dans un premier temps. On va se servir d'un ma'akar et d'essayer de faire en fait tout le contraire de ce qui a été fait. Par exemple, on va étudier maintenant du Navi et à travers le Navi, maintenant, on va rentrer énormément d'encouragement, énormément de compliments. Le mieux, c'est dans ces cas-là, il vaut mieux échanger d'éducateur parce que là, c'est trop délicat. Et doucement, on pourra redonner le goût à l'enfant d'un point de vue affectif et même l'amour d'étudier dans un autre domaine. Et doucement, on pourra basculer vers la Gemara. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc voilà, Atkan Baruch Hashem, on a traité le problème de l'Atnaya, on a traité le problème de la déconditionnement. On continuera un petit peu sur le même sujet, Imirtse Hachem, dans le cours prochain.